Bonjour à tous, avant de regarder cette vidéo, nous avons un message très important à vous transmettre. Vous le savez, nous sommes une radio complètement indépendante, car vous êtes notre seule source financière. Pour que Radio Courtoisie continue à vivre, nous avons besoin de vous. En nous soutenant, vous bénéficierez donc d'une déduction fiscale de 66%. Alors cette année, soutenez Radio Courtoisie sur notre site internet ou par chèque. Il n'y a pas de petits dons, chaque participation compte. Merci à tous. Total. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périgny. Mais avant, je me tourne vers notre partenaire du jour, François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour. Alors vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie. Vous avez une annonce particulière aujourd'hui, vous voulez revenir sur la dernière une d'Éléments ? Oui, très brièvement, mais surtout une petite annonce destinée à la fois aux amoureux de Tintin et aux inconditionnels de Martin Pelletier, moi que je lisais avidement quand j'étais adolescent, dans un excellent journal qu'il dirigeait, qui s'appelait National Hebdo, avec de merveilleux portraits de Jean Mabir, les chroniques désopulantes de Nicolas Gauthier et quantité d'autres choses. Eh bien, Martin Pelletier dédicacera son procès Tintin, que nous recevons ce matin, ce vendredi 8 décembre, de 18h à 20h, à la Nouvelle Librairie, au 11 rue de Médicis. Et oui, à part ça, à retrouver, bien sûr, Éléments, mais d'abord la dédicace de Martin Pelletier. Eh bien, écoutez, c'est bien noté. Merci à vous, François Bousquet. On se tourne tout de suite vers Martin Pelletier. Vue de haut. Et on rappelle que cette interview est en partenariat avec Renaissance Catholique. Renaissance Catholique qui organise la 31e fête du livre dimanche 10 décembre, donc ce dimanche, de midi à 19h à l'espace Les Pyramides, Port Marly. Donc 100 auteurs en dédicace, 10 000 livres sélectionnés. Livres d'occasion, vous pouvez venir en famille parce qu'il y a une garderie, une restauration sur place. Il y a des nombreux stands associatifs. Il y aura 4 conférences, une de Patrick Buisson, une de Jean Sévilla, une de Philippe de Villiers et puis une conférence de Mathieu Boccoté. Et puis dans la Renaissance catholique, il y aura aussi Martin Pelletier pour son livre. Bonjour Martin Pelletier. Bonjour, comment allez-vous? Ben écoutez, très bien, surtout après la lecture de votre livre hein, qui m'a fait retomber dans mon enfance, hein, d'ailleurs, qui n'aurait pas dû parce qu'on peut toujours continuer à lire Tintin, même adulte. Alors je rappelle quand même, vous avez une longue carrière de journaliste, vous étiez notamment patron d'émissions sur Radio Courtoisie, vous êtes auteur d'une quinzaine d'essais, biographies, romans, je vais en citer quelques-uns, La fin de l'homme blanc en 2018, La révolution arc-en-ciel et l'empire arc-en-ciel en 2019-2020, et puis vous êtes avec nous ce matin pour Le procès de Tintin, aux éditions du Verbe Haut. On en parle tout de suite. Déjà, évidemment, le procès de Tintin, c'est aussi le procès d'Hergé, parce que Tintin, c'est Hergé. Alors, vous allez d'ailleurs nous expliquer pourquoi. Parce que, justement, je voulais revenir sur Hergé, qui était l'auteur d'Hergé, parce qu'on l'a accusé de tout, d'être un collabo, d'être de droite, voire d'extrême droite. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à nos auditeurs qui était véritablement Hergé, l'auteur de Tintin ? Hergé, c'était une éponge. C'est-à-dire que c'était un homme qui ingurgitait son époque et qui l'a régurgité dans ses dessins. Bon, il est certainement... C'est un petit Belge de Bruxelles et qui a découvert le monde à travers Tintin. Et puis, bien sûr, il était d'origine catholique. Lui-même, à la fin de sa vie, ne croyait, je pense, plus à rien. Mais il avait commencé au petit 20e, c'est-à-dire le supplément pour les enfants d'un journal qui s'appelle le 20e, le 20e siècle, et qui était dirigé par un abbé, l'abbé Wallaise, qui était maurassien. Donc, il a commencé très à droite, et il a toujours été fidèle à ses amis. Maintenant, pour le reste, il n'avait pas tellement d'opinion politique que ça. Voilà la réalité. Alors, on l'a accusé de tout. On l'a même, en 44, il a été mis en prison 3 fois. Mais une seule soirée. Et on a essayé de l'inculper pour collaboration avec l'Allemagne nazie, mais le substitut avait plus de bon sens que les groupes qu'il avait arrêtés. Il a renoncé à l'inculper. Cela dit, ça l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Il a trouvé que c'était totalement fou et il en a gardé une espèce de, je ne dirais pas de misanthropie, mais de très grand retrait. Il a d'ailleurs failli à plusieurs reprises à ce moment-là, entre 44 et 49, partir pour l'Amérique du Sud exactement, l'Argentine, et avec ses amis qui étaient évidemment des amis très à droite, des rexistes. Bon, il a toujours été extrêmement fidèle.
Alors justement, oui, alors il a été fidèle aussi. On dit aussi qu'il avait des amis comme Léon Le Grell qui étaient des personnalités controversées à l'époque, comme on dit aujourd'hui. Oui, alors quand on parlait d'Eric Sist, De Grelle a été son bon copain au petit 20e, parce que De Grelle, lui, ne dessinait pas, mais il faisait des reportages. Il a commencé comme reporter. Et d'ailleurs, De Grelle m'a prétendu que Tintin, c'était lui. Ce qui est peut-être un peu vrai, mais aussi beaucoup faux, comme tout ce que disait Léon De Grelle, qui était un homme charmant, mais très hâbleur, très... très 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 haut en couleur, très drôle d'ailleurs, il avait le sens du portrait de Grelle, fantastique, mais pas toujours très exact en revanche, voilà. Que dire d'autre, il n'a été, oui, très en relation avec des gens et très à droite, et notamment ceux qui avaient fait Le Soir pendant l'occupation. Le Soir est un grand journal, un quotidien belge, dans lequel Hergé a dessiné entre 40 et 44, ce qui lui a valu ses procès, enfin pas son procès, mais son incarcération et les accusations portées contre lui. Il ne faut pas croire que ce soit complètement anodin à ces choses-là, parce que quand on était soupçonné d'avoir collaboré, on était ce qu'on appelle en Belgique un civique. Et un civique ne peut pas trouver de travail, il ne peut pas avoir de pièce d'identité, il ne peut pas non plus toucher une pension, il est mort socialement. Donc il a fallu quelques mois pour qu'un résistant du nom de Raymond Leblanc le blanchisse en quelque sorte et lui propose de fonder le journal Tintin. Alors, avant de donner la parole à François Bousquet, je voulais juste revenir sur les accusations, notamment dans ce procès de Tintin, c'est les accusations de racisme, notamment avec le deuxième album, donc Tintin au Congo. Tintin arrive donc au Congo. Congo, donc on le rappelle, colonie belge à l'époque. Il y a aujourd'hui, pour Tintin au Congo, un bandeau qui explique qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, on a accusé Hergé d'être raciste, mais finalement, était seulement quelqu'un de son époque et la vision d'un Belge du Congo à l'époque. Exactement, c'est une vision coloniale. Dans la version d'origine de Tintin Congo en noir et blanc, on le voit qui donne des cours d'histoire où parle de la Belgique, notre mère, tout simplement. Il n'y a évidemment aucune méchanceté. Et d'ailleurs, la revendication anti-Hergé, anti-colonialiste, vient des intellectuels de gauche européens et américains. Au Congo, l'histoire est très très bien perçue, elle est même revendiquée. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les espèces de malades qui composent l'extrême gauche, on a l'impression que tout est offensant. Donc quand on raconte une petite histoire comme Tintin au Congo, on offenserait les Noirs, ce qui, eux, ne se sentent pas du tout offensés. Hein. Mais nous, les intellectuels de gauche, prétendent qu'ils sont offensés. Mais à ce compte-là, on pourrait dire qu'il faut tout interdire dans Tintin, parce que je vous rappelle que dans l'or noir, Tintin donne une fessée à Abdallah. Alors, il pourrait être, qu'il l'a bien mérité, quand même, faut le dire. Évidemment, interdit pour ça. Ou quand il est fait exploser un rhinocéros, il pourrait être interdit par les animalistes. D'ailleurs, je signale que en Scandinavie, la page où il fait exploser son rhinocéros a été modifiée. Il y a vraiment une espèce de folie c'est la cancel culture, la culture de l'annulation. Que l'on voit dans la réécriture d'Agatha Christie, par exemple, pas seulement. Mais Hergé a été un précurseur. Il a été tout très tôt montré du doigt, plus qu'Agatha Christie. Pourquoi toujours? Parce qu'il était soupçonné de, je dirais, pas de connivence, mais d'amitié pour des gens d'extrême droite. Alors justement, on va reparler aussi de ces accusations, notamment wokistes aujourd'hui, qui n'arrivent plus à lire Tintin, alors que c'est quand même Tintin, véritablement la bande dessinée Bon Enfant. Je rappelle, 250 millions d'albums vendus sur seulement 23 albums. François Bousquet, sur ce livre, Le procès Tintin, qu'en avez-vous pensé? Vous êtes retombé en enfance, vous aussi? On le quitte pas, Tintin. Moi, je le lis tous les soirs pour m'endormir, vous voyez. Mais je le connais par cœur, donc c'est presque un rituel qui relève du fétichisme. Mais je reviendrai sur cette dimension fétichiste.
qui est très importante pour les tintinologues, et je crois que Martin Pelletier en est un. Mais je reviens sur ce procès en fascisme, ce procès en rexisme. Beaucoup de gens se sont, dans ces âges troubles, collaboration, épuration, beaucoup de gens se sont déshonorés. Lui ne s'est jamais déshonoré. Vous rappelez ce mot de Robert Poulet, magnifique critique, très proche de Céline, qui disait de Hergé que c'était la providence des inciviques. Et c'est fou, dites-vous, le nombre de personnes qu'il a secourues. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, pour qui vote-t-il? En lisant votre livre, on se rend compte qu'il vote pour le roi. Vous en faites un légaliste. C'est d'abord et avant tout un légaliste. Oui, il faut noter, et vous avez parfaitement raison, qu'il y a beaucoup d'aventures qui ont un relan ou un morceau politique dans Tintin, notamment Tintin chez les Soviets ou d'autres. Mais il n'y en a qu'une aventure qui est vraiment purement politique et dans laquelle Tintin s'implique à fond, c'est le sceptre d'Ottokar, où il va sauver la monarchie des attaques de il faut dire que dans ce cas-là, c'était des fascistes qui essayaient des fascistes étrangers qui essayaient de la phagocyter. Il est tellement monarchiste qu'il sauve le roi à plusieurs reprises, grâce à Milou d'ailleurs, et qu'à la fin, il va recevoir une décoration. C'est la seule fois où Tintin met comme ça son plus beau costume pour aller dans une grande salle des fêtes recevoir sa décoration. Hergé était fondamentalement monarchiste et respectueux de Léopold III. C'est pour ça qu'il a pris sa position, c'est tout. Et évidemment, toutes les personnes en Belgique qui, sans être de moindre du monde fasciste ou autre chose d'ailleurs, ont suivi la ligne de Léopold III, se sont fait très mal recevoir à la libération. On parlait de Robert Poulet, et bien pour lui ça a été plus grave, il a été condamné à mort et il est resté plusieurs mois, je crois, dans sa cellule en attendant d'être amnistié ou gracié. Donc voyez-vous, c'était une époque quand même terrible pour ceux qui avaient choisi le respect strict de l'autorité et de la loi, sans avoir de pensée nauséabonde, comme il est des bon ton de l'appeler. François Bousquet. Un chic type, comme vous dites. Oui, c'est un chic type. Mais en plus, un chic type courageux et intelligent. Parce que si j'ai une seconde, je fais un parallèle à un moment donné entre Tintin chez les Soviets et le retour du RSS de Gide. Tintin chez les Soviets, c'est 1929. Le retour de RSS de Gide, si je ne me trompe, c'est 37. Voilà. On loue beaucoup Gide, André Gide, écrivain bien pensant et pédéraste, parce que il aurait été courageux en revenant du RSS en écrivant un livre critique. Or, deux choses. Tintin chez Soviet est très antérieur et beaucoup plus critique et beaucoup plus réel que Retour du RSS. Parce que Retour du RSS est un tout petit bouquin de 73 pages dans lequel il n'y a pratiquement rien, mais qui a été suivi l'année suivante de quelque chose qui s'appelle Retouche sur le Retour du RSS, qui n'est absolument pas une retouche, qui est un pamphlet qui tire à boulet rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Gide avait été invité avec un de ses amants et quelques communistes en URSS pour faire la propagande de Staline. Il a trouvé, malencontreusement, que l'URSS était globalement positive, mais il a émis quelques petites réserves, tout en souhaitant bon anniversaire à Staline, etc. Et à ce moment-là, quand il est revenu, les gens qu'il avait envoyés pour faire une opération de propagande, dont Aragon, le grand poète mais grand salopard Aragon, s'en sont pris à lui comme une espèce de type qui les avait déçus. Et alors que c'est tout à fait anodin, retour du RSS. Et à ce moment-là, il a pris la mouche, il a été déçu de la déception des autres, et il est devenu vraiment un peu critique vis-à-vis du régime stalinien. Alors que Hergé, lui, a été franco de port tout de suite, et a fait un très grand livre politique. Évidemment, il est de bon ton aujourd'hui de dire que c'est un péché de jeunesse, mais lisez, j'engage tout le monde à lire Tintin et Chauviet, le trait est formidable. Sans doute, c'est une intrigue qui est tout à fait picaresque, qui part dans tous les sens. Ça peut être, mais c'est très drôle et c'est très vrai.
Alors au début, il y a un dynamisme dans le dessin, dans ce premier album, qui est fascinant. Il arrive à traduire à la vitesse. On s'est vraiment impressionné. D'ailleurs, c'est comme ça que la houppette de Tintin est apparue. Au début, il n'avait pas la houppette, et puis il a eu les... Il fait tout à fait Baron de Krak dans cette, ou alors plutôt Tilleul Spiegel. C'est vraiment le petit Belge rigolard, l'enfant des Marolles qui est aussi ridicule qu'il ridiculise les autres. Il lui arrive des tas de mauvaises aventures, mais il vit très fort, c'est évident. Alors François Bousquet, moi je voulais revenir avant avec vous, Martin Pelletier, juste sur les accusations aussi de misogynie, parce qu'on a parlé du racisme, il y a aussi de la misogynie, parce qu'il faut quand même le dire, dans les 23 albums, les rôles féminins ne sont pas très présents. Il y a le rôle de la Castafiore, pardon, qui n'est pas véritablement un rôle très, ou en tout cas très présent, et qui n'est pas un rôle très gratifiant pour la Castafiore à ce moment-là. Pourquoi, vous comprenez cette accusation de misogynie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'héroïne femme, tout de suite, ça veut dire qu'on est misogyne. Je la comprends, mais encore une fois, elle est anhistorique, elle est hors contexte. Qu'est-ce qui se passe? Entre les deux guerres, il y avait des journaux pour les filles et des journaux pour les garçons, tout simplement. Il y avait la Semaine de Suzette, si vous étiez une fille, et puis il y avait le Petit 20e pour les jeunes catholiques belges. Donc, dans les journaux de filles, on racontait des histoires de filles, hein. Et dans les journaux de garçons, on racontait des histoires de garçons. On n'allait pas, évidemment, raconter des parties de jambes en l'air. On a raconté des histoires un peu scouts, comme d'ailleurs Hergé a commencé par une bande dessinée qui s'appelait d'auteur CP des hannetons. Bon, donc après la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a un peu changé, évidemment, mais il y avait toujours une loi qui s'appelait la loi de 49 sur les publications de la jeunesse qui encadrait strictement les choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Hergé, il a un procédé qui s'appelle la ligne claire, qui est un procédé de caricature. C'est tous ces personnages sont en fait de petites caricatures. Et il avait d'abord un grand amour des femmes et ensuite un très grand respect. Donc il n'aimait pas, il l'expliquait, caricaturer les femmes. Il en a caricaturé quelques-unes. Sont généralement des concierges, des concierges. La conquêtatrice. Ou bien, justement, la Castafiore. Alors pourquoi la Castafiore? Parce que Hergé avait un copain qui s'appelait Edgar Pierre Jacob, qui aimait beaucoup l'opéra, qui chantait lui-même, il y en a un baryton, et c'était un sujet de plaisanterie. Hergé, à tort ou à raison, n'aimait pas l'opéra, trouvait cet art ridicule, c'est son opinion, hein. Et donc il se moquait de l'opéra, et encore plus de certaines cantatrices qui tenaient la route pendant des années et des années. Une des cantatrices du début du siècle, du 20e siècle, qui a chanté Marguerite, comme la Castafiore, avait 73 ans quand elle a quitté la scène. Donc il a essayé de montrer quelqu'un de ridicule comme ça. Et si vous voyez la première ébauche de la Castafiore dans la version noir et blanc, vous voyez comme elle est faite, avec des bajoux, avec la peau qui pend sous le menton. Elle a certes, quelque chose comme justement 72 ans, 75 ans, quoi. Elle est vieille, elle n'est pas les vieilles comme on est maintenant. Elle était vieille comme on était à l'époque, c'était beaucoup plus marqué, hein. Bon, donc c'est comme ça qu'elle était. Et il se moque d'une espèce de d'ailleurs son nom l'indique, d'un vieux coucou qui chante encore. Bon, et puis à la fin, il l'a liftée plusieurs fois. Il l'a liftée en 54 avec l'affaire Tournesol, où elle devient un personnage positif qui sauve Tintin et le capitaine Haddock du Colonel Spons, qui est le chef de la police bordure, et encore plus dans Tintin les Picaros, où elle ridiculise le tribunal populaire et devient, je dirais, presque belle, et de sorte que Hergé a pu dire à Numa Sadou dans une interview, elle a à peu près 45 ans. Mais c'est pas vrai, elle a 45 ans. Oui, elle a plus de 65 ans. Au début, elle en avait 30 de plus. Voilà. Alors, Martin Pelletier, avant de vous redonner la parole, vous savez, notre règle, François Bousquet la connaît, il est 9h, c'est l'heure du bulletin, l'actualité de François, de Marie Falicon. François Bousquet, vous ferez plus tard des bulletins d'actualité, vous en avez peut-être déjà fait. Je rappelle le titre de votre livre, Le procès Tintin aux éditions du Verbe Haut. On écoute Marie Falicon, puis on revient vers vous tout de suite, Martin Pelletier. Ligne droite. Très haut, très haut, il y a une place pour nos idées.
Vue de haut. Alors Martin Pelletier, je vous avais coupé, notamment vous parliez de la supposée misogynie d'Hergé, notamment vous parliez de la Castafiore. Est-ce que vous avez fini là-dessus ou vous vouliez rajouter quelque chose avant de donner la parole à François Bousquet? Deux mots en plus. Deux mots. Sur la supposée misogynie, il suffit de regarder deux autres BD d'Hergé, Virginie et au pays des Lapinos et Jouezette, pour voir qu'il n'est absolument pas misogyne. Il suffit de regarder comment est montrée Virginie et comment est montrée Madame Legrand. Mais je voudrais dire une chose, parce que pour moi c'est très important. Il y a un album dans Hergé qui est dans Tintin qui est tout à fait différent des autres, qui est un point de rupture. Ce sont les 7 boules de cristal. Pour toutes sortes de raisons, mais au point de vue féminin, vous noterez qu'il y a exceptionnellement, et on ne le voit ni avant ni après, au début de cet album, deux femmes qui apparaissent, deux femmes qui sont belles et deux femmes qui parlent et qui ne sont ni des concierges, ni des mémères, ni tout ce voilà. C'est la voyante hindoue, Madame Irma, qui est très, très importante parce que c'est elle qui lance l'affaire, et puis la femme du cinéaste Clermont, qui est une grande blonde, qui prend soin de ce qui est très inquiète pour son mari. Les deux sont des personnages sympathiques et à la fois de jolies femmes. Et puis, ça, c'est on ne sait pas pourquoi, et il faudra y réfléchir un jour, d'ailleurs, peut-être dans un autre livre, on ne sait pas pourquoi ce type de personnage disparaît tout de suite. Voilà, c'était tout ce que je voulais ajouter sur cette question. Alors, François Bousquet, sur ce livre, je rappelle, Le procès Tintin aux éditions du Verbe Haut. Oui, sur la Castafiore, il y a également les bijoux de la Castafiore, qui est une pièce un peu unique, parce que ça a quelque chose d'un huis clos. Moi, je trouve que c'est du boulevard, hein. C'est presque du Feydeau ou du Labiche. Hein. Et elle n'en sort pas tant que ça, dévalorisée, la Castafiore. Hein. Mais alors, votre livre s'appelle Le procès Tintin, et on est en train de faire le procès du procès, là. presque comme des woke. Hein. Mais c'est un procès en réhabilitation. À propos de la Castafiore, vous disiez qu'elle avait beaucoup évolué. Et vous vous attardez également dans le livre sur l'évolution des personnages. Parce que si Tintin ne change pas physiquement, il a la houppette quasi d'emblée. Quoi. En revanche, il n'est pas le même au fil des albums. Hein. Même chose de Milou, même chose d'autres personnages. Hein. Donc, même là, il y a une dynamique hein, chez Hergé, chez le scénariste, là pour le coup, pas le dessinateur. Hein, il y a une dynamique hein, où ces personnages évoluent, grandissent, mûrissent. Hein. Parlent ou ne parlent pas entre eux d'ailleurs aussi. Ça, c'est très voilà. Important. Vous nous avez je ne m'étais jamais fait la remarque, mais allez-y Martin. Oui, Martin Pelletier. Mais là, il y a deux questions séparées. Mais justement, le fait qu'ils parlent entre eux ou ne parlent pas entre eux, on va traiter d'abord cette question, c'est dans le 7 boules de cristal qu'on s'en aperçoit la première fois. Vous voyez peut-être la scène, Tintin et le capitaine Haddock sont allés au Music Hall et ils veulent voir un prestidigitateur qui change loin en vain. Ils ne le verront jamais d'ailleurs, mais ce n'est pas le problème. Il y a d'autres numéros et c'est là que Tintin et Haddock découvrent qu'il y a Ramon Zarate, qui est en fait le général Alcazar, et la Castafiore. Et c'est là qu'il apprend à Haddock que les a connus ici et là. Donc ça veut dire que ils se connaissent pourtant bien, Haddock et Tintin à ce moment-là, ils n'ont jamais parlé de tout ça, donc ils n'étaient pas assez intimes pour en parler. Et c'est la première fois qu'on voit que Tintin parle d'autres albums. Et c'est le début de la véritable comédie humaine qu'a fait Tintin, à Hergé, c'est-à-dire avec un ensemble de personnages qui s'entrecroisent, qui reviennent, etc. C'est le moment aussi où le temps arrive. Et avant, il n'y avait pas de temps. Maintenant, on sait que, par exemple, Cantono, c'est là aussi où le premier personnage, en petit personnage, le professeur Cantono, revient alors qu'on l'avait vu dans le bateau de l'étoile mystérieuse. Là, il revient comme participant à la grande expédition en Amérique du Sud. Voilà, et c'est la première fois qu'il se parle. Et on verra par la suite qu'il est très rare que Tintin et Haddock se parlent d'autres aventures, en quelque sorte. J'en ai pour ma part trouvé une trace, c'est dans Coq en stock.
Vous vous souvenez que l'avion s'est écrasé près de la mer, dans le Jebel Machin, et Tintin et le capitaine Haddock reviennent à pied vers Ouadesdal, la capitale du Kemed, et comme ils ne savent pas où dormir, ils vont chercher refuge chez le marchand portugais Oliveira de la Figueira. Et il les accueille, parce que leur tête est mise à prix. Et en entrant, le capitaine Haddock dit « Il paraît que vous avez un excellent petit rosé bien frais. » Et c'est là, comment le sait-il ? Il n'a évidemment jamais vu Oliveira de la Figueira. Ça veut dire que Tintin le lui a dit. Et effectivement, si on regarde l'or noir, vous avez une scène où Tintin et le seigneur et Oliveira de la Figueira se parlent du professeur Smith, et où Oliveira de la Figueira lui sert 2 verres de rosé. Je les ai comptés parce que d'après la position des verres, il y a la hauteur des... il le sert 2 fois. Donc ça veut dire 2 choses. 1, que Tintin a bu, contrairement à ce qu'il dit, jamais d'alcool, boit très volontiers du vin et même d'autres choses. Et 2, qu'il l'a trouvé si bon qu'il en a parlé à Haddock, ce qui a permis à Haddock de faire cette réplique. Mais c'est une phrase très rare hein, des conversations que Haddock est on. Voilà. Ah oui, j'ai encore 2 minutes. Effectivement, l'évolution des personnages, c'est très très important. Au début, Tintin et Milou, qu'est-ce que c'est ? Mais ce sont 2 copains. Je ne sais pas si vous... Encore dans Tintin en Amérique, qui est pourtant le 3e de la série, en Tintin en Amérique, ils sont mitraillés ensemble, ils sont pendus 2 fois ensemble, et ils parlent ensemble. Je veux dire, ce n'est pas des aboiements, ce ne sont pas des bulles intérieures, mais ils se parlent, ils se répondent. Si vous regardez la page, je crois que c'est la page 60, mais je ne sais pas, j'ai plus en tête, 60 ou 61, et ils sont sur le lac Michigan, où Tintin a été jeté avec de mauvaises haltères, des haltères en bois, et il est sorti de l'eau par des faux policiers, et il casse les haltères pour se battre contre eux, s'en servir comme au bowling. Et ils se parlent, ils disent, Milou lui dit quelque chose comme « Dépêche-toi, parce que vraiment, là, ça devient difficile », et Tintin lui répond « Une seconde, Milou ». Donc, ce sont des copains qui se parlent vraiment. Et à partir de l'album suivant, c'est-à-dire « Les cigares du Pharaon », ils ne se parleront plus jamais. Ce n'est plus la même chose. D'ailleurs, Milou, progressivement, apparaît moins souvent, a moins de bulles lui-même. Donc, Milou devient un chien, alors qu'avant, c'était un copain. Et alors, il y a une théorie, qui est la théorie générale des tintinologues sérieux, qui voudrait que ce soit une question de réalisme, c'est à cause de l'effort de réalisme tenté par Hergé dans le Lotus Bleu, que quittant le domaine de la fable, on quitte aussi, évidemment, les discussions entre chien et maître. Or, tout ça est totalement idiot, enfin totalement faux. Il faut revenir aux faits. Premièrement, le Lotus Bleu n'est pas du tout quelque chose de un album réaliste. Mmh. On y voit Tintin se... Lotus Bleu, il est en Chine, on le rappelle, le trafic d'opium. Se battre avec 3 gros malabar hindous et les envoyer tous les 3 à l'hôpital. On le voit se déguiser en général japonais, voler une automitrailleuse, etc., etc. Donc, c'est pas du tout réaliste. Et deuxièmement, surtout, le changement de Milou en chien s'opère avant le Lotus Bleu, dans les cigares du Pharaon, qui est encore moins réaliste, puisqu'on les voit pêcher, on voit Tintin pêcher le requin dans la mer Rouge à bord d'un sarcophage, sauter le mur pas de la prison, mais de l'asile de fous, en sautant sur le ventre d'un vieil hindou, et passer la camisole de force à un tigre. Donc ça n'a rien à voir avec le réalisme, ça a à voir avec le fait que petit à petit, Milou
perd son importance de copain au profit de nouveaux personnages qui vont venir. Et c'est symboliquement, ça se retrouve dans une image, quand ils sont dans le vieux temple égyptien, où on va les endormir avec les narcotiques des cigares du pharaon. Vous avez une rangée de sarcophages où sont momifiés les précédentes victimes de la ferme, un tel égyptologue, un tel égyptologue, un tel égyptologue, et vous avez deux sarcophages à droite, Tintin reporter et Milou chien. C'est à ce moment-là que Milou est devenu un chien. Voilà. Alors. On a parlé de l'évolution des personnages. Moi, je voulais quand même vous parler, parce que vous dites de Tintin, c'est que Hergé étant un animal politique, il a fait de Tintin un personnage politique. Et le général de Gaulle disait « Mon seul rival international, c'est Tintin. C'est le petit qui n'a pas peur. » Attendez, je vous entends mal. Ah oui, alors je parlais de Hergé comme animal politique, de Tintin aussi comme personnage politique, et le général de Gaulle qui aurait dit « Mon seul rival, enfin qui a dit « Mon seul rival international, c'est Tintin, c'est le petit qui n'a pas peur des grands ». Donc en quoi Tintin est un personnage politique? Puis après je laisserai la fin à François Bousquet. Eh bien, la citation est réelle, elle a existé, elle n'est pas apocryphe. Oui, eh bien parce qu'il n'a pas peur, je ne dirais pas des grands. Il n'a pas peur des gros. Il n'aime pas les gros. Il n'aime pas les gros, que ce soit Mitsu, Hatto et l'Empire japonais qui veulent mettre la main sur la Mandchourie, que ce soit les gros oligarques du pétrole américain, ou les gros gangsters comme Al Capone, ou les évidemment le pire des pires. C'est Rastapopoulos, qui est à la fois trafiquant, marchand, enfin possesseur de journaux et de d'industries multiples. Et il combat l'injustice toujours, à peu près toujours, sous la forme des gros, des puissants. Alors évidemment, c'est évident aussi dans Tintin chez les soviets. À la fin, c'était un peu moins vrai, mais je dirais que les deux derniers Tintins, Tintin chez les Pigaros et Vol 714 pour Sydney, ce sont des péchés de vieillesse. Il n'a plus la foi, il l'a d'ailleurs dit, et il détruit, aujourd'hui on dirait déconstruire, mais déconstruire c'est tellement bête, détruit, c'est la réalité, il détruit peu à peu à la fois les aventures et finalement aussi ses personnages. Mais vous voyez bien que dans le dernier Tintin, qui est Tintin et Picaros, Tintin n'a plus envie de partir à l'aventure, il fait du yoga la tête en bas, et c'est le capitaine Haddock qui finit par rigoler, mais il n'aime plus le whisky, forcé par les manigances de Tournesol. Enfin, ces personnages s'auto-détruisent comme dans Mission Impossible. Alors, François Bousquet. Oui, ben justement, dernière question, sauf si Corentin en a d'autres. Est-ce que Tintin, vous en parlez, n'a pas dévoré Hergé, l'a pas vampirisé, effacé? Est-ce que Tintin, c'est pas finalement le sparadrap du capitaine Haddock, perpétuellement accroché à Hergé? Parce que c'est une suite de dépression. Là, vous montrez comment ben, il démolit en réalité le Sydney. Moi, je trouve que c'est le plus mauvais des deux. Et puis, Caro, c'est pas grand-chose. Il va de dépression en envie de tout plaquer, des intervalles de plus en plus longs entre chaque album. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça a commencé, donc, je crois que le déclenchement du mal-être d'Hergé a commencé avec la fin de la guerre. On en parlait tout à l'heure, il a été choqué terriblement. Et puis, il y a des problèmes personnels. Bon, tout le monde le sait, on en a parlé mille fois, des problèmes, une désaffection pour son épouse, et en même temps, énormément de passades. Et puis, finalement, à partir de 1956, sa jeune maîtresse Fanny, qui finira par épouser plus tard. Il a donc l'Hergé de départ, c'est lui-même détruit. C'est-à-dire que c'est
l'homme plein de d'allant qu'il était dans sa jeunesse, assez simplement de droite, et ben, finalement, a été confronté à beaucoup de choses qu'il n'attendait pas. Et il a pris Tintin à un moment donné, en grippe, je le cite, hein, bon, c'est des choses qui ne sont pas nouvelles, c'était à partir de la fin des années 40, 48, il n'avait plus du tout de goût pour les aventures qu'il faisait subir. Et puis, il s'est quand même collé à la chose. Et bizarrement, alors que c'était à ce moment-là que ça devenait de plus en plus dur, il a fait une série de chefs-d'œuvre. Et on peut même dire que jusqu'à aux bijoux de la Castafiore, qui sont déjà un détricotage de l'aventure habituelle, mais un détricotage génial, tout ça, il a fait ses meilleurs Tintins à ce moment-là. Et puis après, comme le disait François Bousquet, ça devient de plus en plus dur et de plus en plus long. Et l'espèce de lutte qu'il menait contre lui-même et contre les autres, eh bien, il laisse tomber, en quelque sorte. Alors, il a suivi des cures de psychanalyse, et certaines personnes ont dit, ben oui, finalement, il s'est débarrassé de ses démons, il a fini apaisé. Moi, je n'y crois pas du tout. D'abord, il s'est débarrassé de son talent. Les deux derniers Tintins sont beaucoup, 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 beaucoup moins bien que les autres. On a l'impression qu'il ne est plus son personnage, mais il n'a plus rien à en dire. Même Haddock, qui était son personnage préféré, regardez la façon dont est dessiné Haddock dans le tout dernier Picaros. C'est vraiment plus ni fait ni à faire. Bon, mais on a l'impression de quelqu'un qui renonce. Les 15 dernières, au moins les 15 dernières années de sa vie, il n'a plus fait grand chose. Il a essayé de faire autre chose, il a essayé de peindre, mais comme il était très honnête, il n'était pas bête, il s'est bien rendu compte qu'il n'était pas fait pour ça. Alors Martin Pelletier, il faut qu'on arrête là-dessus, on pourrait parler des heures de Tintin, des 23 albums, 250 millions d'albums vendus. Un mot, votre meilleur album, Martin Pelletier, juste le titre. Meilleur album de Tintin. Coq en stock, François Bousquet. Ah, pareil, Coq en stock en 1. Ah, bon, c'est Tintin au Tibet, qui est un des derniers, mais qui est très bon, je trouve. Merci c'est à tous, bon qui est très bon. Je rappelle que cette interview était en partenariat avec Renaissance Catholique. Je rappelle, 31e fête du livre, c'est le dimanche 10 décembre, c'est de 12h à 19h à l'espace Les Pyramides à Port-Marly. Voilà, donc il y aura 3 conférences, Patrick Buisson, Philippe De Villiers, Jean Sevilla, enfin 4 avec donc, Mathieu Boccoté, puis il y aura un stand associatif de Radio Courtoisie. Donc venez nous voir, merci à tous, et puis merci Martin Pelletier de nous avoir fait retomber en enfance. Je rappelle que vous avez une longue carrière de journaliste et le titre de votre livre, Le procès de Tintin, aux éditions du Verbe Haut. Merci à vous.